petit campement pour la nuit. On s'est calé dans la forêt. C'est stylé de ouf. Mais qu'est-ce qu'il te reste à faire, mon Kix? La nourriture. La nourriture du Seigneur, ouais. Avec des steaks hachés décongelés depuis 3 jours. Allez, sur ce, vamos à la cuisine. Parce qu'il faut prendre des forces après tout ce qu'on a surfé. Oh yeah. Petit steak, le petit haricot, le rigolo qui joue de la guitare. S'il n'y a pas de meilleure vibe, you. Et demain, resurf. Salut ma beauté, ça va? Ah, c'est pour ça que tu te revanches sur Smith. Exactement. Là, vous voyez ma tête au réveil. Il est 7h30. Là, ma caisse. La caisse, elle est fermée. Et mes clés, elles sont là. Ah putain, j'ai me tirer une balle. Ça fait une demi-heure. J'essaye d'ouvrir avec les moyens du bord. J'avais un truc. J'avais un cintre. Je le prends pour le défaire parce qu'il était pas assez long. Et il se casse dans les mains. Du coup, j'ai plus de cintre. Et plus de voiture. S'il doit rire ou pleurer. Le petit dort là-bas. Là. C'est la meilleure nuit. Putain, ça c'est une bonne journée de surf qui commence. Ok, update. Nouvelle technique. Je l'ai complètement défait. Oh, ça marche. Let's go, putain. Après 1h30. Putain, j'aurais bien mérité ma session de surf là. Oh l'enfer. L'autre il dort toujours, ce gros chacal. Bon allez, let's go. Ok, bon du coup c'est bon, j'ai trouvé un petit spot là. Je me grouille, je me fous à l'eau parce que la marée va vite descendre. Il y a des gros coefs. Donc il y a une bonne petite droite qui passe, c'est hyper clean. Du coup on se retrouve à l'eau, allez c'est parti. On est presque 10 000, donc ça serait bien de faire péter ça. Voilà quoi, allez hein.